monde, je suis très contente de venir vous retrouver et avoir un petit créneau horaire à vous consacrer en ce moment. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc côté couture, côté tricot aussi, mais je pense que ce ne sera pas pour cette fois. Pour ceux qui arrivent par hasard sur cette chaîne, je suis Anne le chat. C'est toujours ainsi que vous pouvez me trouver sur ce pseudo, vous pouvez me trouver ici et également sur Instagram. Et je remercie aussi toutes celles qui ont l'habitude de venir ici, toutes celles et ceux qui viennent fidèlement me voir depuis maintenant 4 ans, je pense. Ma petite chaîne doit avoir 4 ans. On va tout de suite, presque tout de suite, rentrer dans le vif du sujet. Avant, je vais vous montrer, vous expliquer juste ce que je porte. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti de mon armoire. Il s'agit de la robe MS May de Mounassiou, Majam. Voilà, qui est une de mes robes préférées. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez, elle s'arrête là. Elle a un pan ici. Elle a un décolleté en V devant et derrière, et je l'avais réalisé dans un crêpe de polyester très doux, assez lourd, et qui fait que je n'avais absolument pas besoin de poser la fermeture éclair qui était prévue pour ce modèle. Donc ça fait longtemps que je ne l'avais pas porté, et c'est un régal de confort. Et j'ai également rajouté, pour donner quand même un petit côté peps à cette petite robe noire, il s'agit d'un gilet floated front d'un magazine Autobré que j'ai réalisé ici dans un jersey lin que j'avais dû acheter chez les Coupons de Saint-Pierre il y a longtemps. Et je me dis que même, hop, comme ça, c'est pas mal pour pouvoir la porter, voilà, et lui donner un petit coup de peps. Bon, là je vais l'enlever, il est 9h, il fait déjà 20 degrés, même en Touraine, il fait hyper lourd depuis hier, et donc je vais rester ainsi pour ce petit épisode de podcast. On y va, on commence tout de suite par une pièce. J'ai cousu plusieurs pièces la Maison Victor ces dernières semaines. Le bonheur de revisiter mes magazines que j'ai. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver aussi une majorité des patrons maintenant en format gratuit sur femmesdaujourd'hui.be en vous connectant, en créant un compte, et vous avez accès à toutes les formules de modèles, téléchargement PDF avec les inscriptions, les explications en ligne. Voilà. C'est le cas de la réalisation couture que je vais vous montrer ici. Il s'agit du peignoir Eline. Alors, peignoir ou kimono Eline, qui vient du magazine. Si vous avez le magazine, c'est le magazine janvier 2020. Donc, je vais vous le retrouver tout de suite. Donc, si vous l'avez et si vous vous rappelez de vos... Voilà, les visuels des magazines, c'est celui-ci, et il s'agit du peignoir qui figure ici sur la première vignette et qui vous donne ici donc le dessin technique, qui est un peignoir, voilà, que je vais vous montrer. Moi, j'appelle ça plutôt une forme kimono, hein, je trouve, et qui est extrêmement saillante. Moi, c'est un kimono que j'avais déjà fait quasiment, je pense, au moment de sa sortie, de la sortie du magazine, et c'est que j'ai réalisé et que je porte quasi quotidiennement, le matin, etc. Il est extrêmement agréable, très facile à mettre, très saillant, et là j'avais juste envie de m'en refaire une autre petite version dans un tissu un petit peu différent. Donc juste pour rappel, au niveau de la taille, ça va du 34 au 56. Vous allez voir qu'au niveau des formes, c'est extrêmement basique. Voilà. Donc on a ici les deux formes, en fait, ou deux ou trois formes, en fait, qu'on a à découper au niveau du tissu. Attendez, je fais juste un petit truc.
Voilà. Et en fait, le plus long pour moi, je me rappelle à l'époque, ça avait été de calquer le patron, puisque en fait, les pièces sont tellement grandes qu'elles se retrouvent sur plusieurs planches de patron. Et c'était assez fastidieux. En revanche, une fois que vous l'avez fait, les coutures sont vraiment très basiques et rapides à faire. Et voilà, je vous montre, hein, de toute façon, vu que maintenant il s'agit de patrons gratuits. Donc on a ici une pièce qu'on a soit au pli ou pas au pli, et on va réaliser des sortes de toutes petites parementures qui vont nous permettre ici de pouvoir faire les petits trous qui vont permettre d'insérer en fait une ceinture. Voilà, et la pièce, une fois qu'on l'a cousue, ressemble à ça. Donc ce qui vous montre donc la... Ça donne des sortes de grandes manches chauve-souris ou papillons, je ne sais pas comment les appeler. Et moi, j'avais un coupon, alors je ne sais plus comment ils disent qu'il faut plus de 2 mètres de tissu pour pouvoir réaliser cette version. Ils disent que pour la taille 40-42, moi j'ai dû faire une taille 40, il faut 2 mètres 30 de tissu. Et moi, les deux fois que je l'ai réalisé, 1m80 a suffi à partir du moment aussi. Je crois que là j'ai même pas eu besoin de mettre les pièces en quinconce puisque j'avais un tissu qui avait un sens. Alors le tissu, voilà, j'ai voulu faire la touche japonisante un petit peu à fond, et j'avais ce coupon qui doit être une sorte de coupon de polyester ou de crêpe parce qu'il est très légèrement texturé, assez fin. Et j'adorais vraiment ce motif que vous voyez. Donc il y a des petites fleurs de cerisier, j'adore, des énormes fleurs comme ça, je sais pas, c'est un peu des dahlias. Et j'aimais beaucoup également dans ce tissu, je vous montre ici, et j'ai fait en sorte de l'avoir là, voilà, ces petites grues qui apparaissent aussi de temps à autre sur le tissu. Et voilà donc la pièce que j'ai réalisée. Alors sur un, même sur un cintre comme ça, ça c'est un peu difficile de vous le montrer. Donc comme vous voyez, c'est une énorme forme demi-lune. Et on a donc les petits empiècements ici, parementures, à faire de part et d'autre en transversal des deux couches de tissu, et ce qui permet de pouvoir mettre un lien que moi j'ai fait de la même manière ici que tout le tour de mon kimono, que j'ai fait dans une sorte de popeline, cette fois-ci de viscose qui avait un petit peu de sens, un petit peu d'élasticité. C'est pas mal pour le nœud parce que ça évite qu'il se défasse tout seul, il avait un peu plus d'accroche. Je suis ravie de mon nouveau kimono, et je vous montrerai tout de suite des vidéos que j'ai ici pour que vous ayez un visuel du porté un peu meilleur que sur un cintre. Voilà. Juste pour vous indiquer que je ne me rappelle pas du tout la provenance de ce tissu. Je l'avais sans doute en stock déjà depuis quelques temps, peut-être du Benitex. Un coupon de 2 mètres de Benitex, ça se peut, comme je vous l'ai dit, 1m80 pour pouvoir le réaliser. Hop, on passe à la deuxième réalisation que je vais vous montrer. On va rester chez la Maison Victor. Alors, la Maison Victor, autre patron, je dirais un peu emblématique de la marque, en tout cas pour moi, que j'ai déjà réalisé 2 fois. Il s'agit du pantalon Fez. Donc le pantalon Fez, alors cette fois-ci, alors il est également en gratuit sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure, et cette fois-ci c'est le magazine mai-juin 2018, je vais le chercher. Heureusement c'est pas trop loin. Donc il s'agit de ce magazine-là. Voilà, et nous avons le pantalon Fez qui est ici. Donc vous voyez, c'est magazine 2018, mais ça correspond tout à fait aux formes de pantalons un peu palazzo qu'on voit partout en ce moment. Donc moi, c'est ma 4e version.
J'ai une première version que j'avais déjà réalisée dans un tissu extrêmement fluide et que j'ai l'habitude de porter extrêmement souvent. Et ce qui est assez marrant, c'est que je le porte vraiment très régulièrement depuis peut-être maintenant 3-4 ans, justement, que je l'ai cousu. Et j'ai jamais eu autant de compliments sur ce pantalon que cette année. Donc j'essaierai de vous remontrer une petite photo ici. Je l'ai cousu également l'année dernière dans un coton. Alors j'adore les rayures et j'adore les rayures pour ce type de pantalon. Vous allez voir que toutes mes versions sont en rayures. J'ai une version que j'ai réalisée en fait dans un coton qui fait très ambiance maritime, etc. Donc une sorte de coton chambray bleu à rayures blanches, donc que j'ai fait et que je porte également plutôt vraiment sur la saison estivale. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, je m'étais fait une version de nouveau sur une sorte de crêpe de polyester bordeaux. De mémoire, ça venait peut-être de chez Craftine, mais en revanche, qui a assez mal vieilli, puisqu'il y avait pas mal de petites bouloches d'usure en fait qui se formaient au niveau des fesses, mais preuve aussi que je le portais. Et là, par contre, c'est une version que du coup je n'ai pas gardée dans mon armoire cette année. Voici le pantalon concerné. Extrêmement facile à réaliser et à porter. Il a une partie de ceinture qui est non élastiquée sur le devant et élastiquée sur l'arrière du pantalon. Le seul petit inconvénient qu'on peut lui trouver par rapport à d'autres pantalons qu'on trouve actuellement en modèle un petit peu partout, c'est qu'il n'a pas de poche. Il est tout à fait possible en revanche de pouvoir lui prévoir des poches tout simplement dans la couture latérale. Je suis quelqu'un qui peut très bien vivre sans poche. Hein, donc là, chacune de mes versions a été réalisée sans poche, puisque je trouve que dans les tissus que je choisis, et ce sera le cas dans celui-ci aussi, je voulais pas casser en fait la fluidité de la ligne du pantalon, y compris sur cette partie des hanches. Donc j'ai réalisé le modèle tel quel. Il va du 30 au 48, hein. Il est indiqué que moi, pour ma taille 40 que j'utilise aussi sur ce modèle-là, qu'il fallait 2,5 m de tissu, mais je ne suis pas sûre d'utiliser ce métrage-là, puisque moi j'utilise 1,60 m. En fait, ça dépend de la laisse, la laisse que vous avez sur votre tissu et qui vous permet de mettre vos pièces de tissu. Vous savez, quand vous prenez votre laisse et que vous la repliez par moitié, moi je place mes deux côtés en fait de pantalon de part et d'autre, ce qui permet d'avoir une seule longueur, hauteur de pantalon et de le passer, moi en l'occurrence, dans 1,60 m. Si vous avez peut-être un sens dans votre motif ou que vous avez une laisse plus petite, il est peut-être probable qu'effectivement vous êtes tenu d'utiliser cette fois-ci peut-être deux laisses de pantalon ou une laisse et demi, enfin pas une laisse, une longueur et demie de pantalon, ce qui peut expliquer les 2,5 m, mais moi ça n'a jamais été le cas. Donc très facile à faire, très facile aussi à régler au niveau de la taille, puisque l'élastique, moi je le fixe sur moi pour voir ce qu'il me faut. Je vais vous parler tout simplement maintenant du tissu que j'ai choisi, et je suis tombée en amour sur ce polyester extrêmement fluide et assez lourd que j'ai trouvé chez Self Tissu à Lorient. Et donc vous voyez bien là cette couleur bleu marine avec des fines rayures blanches, un petit peu esprit tennis, c'est comme ça qu'on les appelle. Et surtout moi je trouve qu'il avait ce tombé que je recherchais absolument pour ce type de pantalon, un tombé et un plombé bien bien lourd. Et donc voilà la version que j'ai réalisée, que j'ai déjà assez portée de ce pantalon. Alors un crêpe de, enfin même pas un crêpe, c'est un polyester aussi, ou un crêpe de polyester en tout cas, qui est très fluide, absolument aucune, qui ne froisse absolument pas, donc ce qui est vraiment super pour ce type de pantalon. Donc faire bien attention au moment où on découpe ses pièces, hein, pour bien les découper, surtout qu'on les coupe en fait par deux, et de faire en sorte que ça ne glisse pas pour qu'on n'ait pas trop de rayures quand même qui soient
un petit peu de côté, ce qui peut des fois amener à ce que les pantalons vrillent quand on ne respecte pas le droit fil. Au départ, je m'étais dit, tiens, j'ai pas besoin de thermocoller ma ceinture. Je m'en rappelais plus en fait ce que je faisais. Erreur, mon tissu était mou. Et j'ai enlevé en fait le surjet. C'est très facile hein, quand on fait. Quand on a du bon fil dans sa surjeteuse, on a juste à découper. Vous voyez les deux lignes qui sont parallèles. Moi je fais au découvite, je coupe ces deux petites lignes là sur à peu près 10 et 15 cm. Je prends ensuite ma pince Bruxelles. Je vais chercher ce fil au milieu. Et en fait, on le tire, il vient tout seul. Et à partir du moment où on enlève ces deux lignes parallèles, les deux autres fils de surjet qui sont celles des boucleurs qui entourent ici viennent toutes seules. Et moi maintenant, un surjet, je le retire vraiment, même presque plus facilement qu'une couture faite à la machine à coudre. Donc je ne m'en prive pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le surjet uniquement sur cette partie devant. J'ai réinséré un thermocollant souple parce qu'en plus mon tissu avec un peu, voyez, il n'est pas extensible mais il a un poids d'extensibilité, ce qui faisait que ça tenait pas bien au niveau de ma taille. J'ai réinséré donc une bande de thermocollant que j'ai fixé au fer à repasser et j'ai tout simplement repris le surjet pour rejoindre en fait ma ceinture. C'est tout et ça suffit pour lui faire cette ceinture qui recolle le long de mon ventre et lui redonner le maintien qu'il faut et éviter d'avoir cette partie de ceinture qui pourrait bâillir, passer sous le ventre et à ce que ce soit pas très très joli. Donc voilà, il est magnifique ce pantalon. Je sais que ça va être quelque chose que je vais énormément porter avec un petit débardeur en jersey, un petit haut en broderie anglaise. Je l'adore et je vous montre juste que moi ce que je fais, je crois que je ne change pas grand chose en fait à la hauteur préconisée de la jambe, mais en revanche je fais un ourlet qui fait ici quasiment 8 ou 9 cm. Alors c'est pas facile, donc je fais un surjet et je bâtis ici une première fois avant cette fois-ci de repasser en couture définitive. Mais je peux vous assurer que sur ce type de pantalon, je trouve que ça apporte un plombé, un peu comme un rideau. Vous voyez, il y a toujours des plombs qui sont mis au bas du rideau. Bah là, en fait, le tissu supplémentaire apporte en fait une lourdeur ici qui est particulièrement bienvenue sur ce type de pantalon. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ce pantalon fez. Et j'aurai aussi quelques photos que je vous aurai mis sur le côté, puisque c'est un pantalon que j'ai déjà porté, pour lequel j'ai déjà pris des photos un petit peu de mon outfit of the day, comme j'aime bien les montrer en story sur mon compte Instagram. Et c'est aussi la raison pour laquelle je voulais absolument faire ce podcast, parce que en général j'attends toujours de filmer mon podcast pour porter mes tenues cousues. Et ben là non, je les ai pour plusieurs d'entre elles déjà portées et donc je veux absolument les redescendre dans mon armoire, ce sera beaucoup plus facile. Tant qu'on est sur la maison Victor, je vais passer sur une troisième pièce que j'ai aussi déjà réalisée une fois il y a plusieurs années. Il s'agit de la blouse Maya. Alors la blouse Maya, je vous montre le magazine dont elle est issue. C'est le magazine de juillet-août 2018. Donc vous voyez que je réinvestis pas mal trois anciens magazines. Et si je vous montre le magazine, c'est tout simplement parce que cette fois-ci, c'est une blouse qui n'a pas été remise sur le site de femmes d'aujourd'hui. Donc là voilà cette petite blouse avec des manches trois quarts, une ligne juste au-dessus en fait de la poitrine et non pas des fronces mais des plis plats qui vont se mettre ici. Et donc c'est une petite blouse que j'ai redécouverte dans mon dressing avec le temps vraiment pas terrible qu'on a eu, on va dire sur mai et sur le mois de juin. C'est une petite blouse que j'ai réinvestie puisque je l'avais déjà réalisée dans
dans une petite viscose type microfibre. Pareil, si je vous la retrouve, je vous la mettrai ici. Et moi, je mettais une petite bande de passepoil ici. Et je l'ai en fait pas mal portée. Avec ces manches ici, c'était pas mal pour vraiment cette mi-saison moyenne qu'on avait. Et ça m'a donné envie d'en refaire une. Alors, cette blouse, la voilà ici en détail. Ici, un arrière très simple. Le devant, je viens de vous le décrire. Elle va du 34 au 56. J'ai dû faire aussi une taille 40 en tenant compte ici de mon tour de poitrine puisqu'elle s'évase ensuite en dessous. Et il était indiqué qu'il fallait 1m46. 1m46. M'étonnerait que ce soit aussi. Si, 1m46, c'est très précis. Et moi, je sais que j'avais un coupon de viscose d'1m10 et c'est passé tout juste dedans. Voilà, donc moi j'aime bien. Parfois, je regarde pas trop les mesures ici. Et une fois que mes pièces sont déjà découpées, bah, en fait, je fais des essais avec mes différents types de coupons que j'ai déjà en stock. Et des fois, ça passe pas, bah, je n'utilise pas ce coupon-là. Et des fois, j'ai la bonne surprise de voir que ça passe dans moins de tissus et ça me permet de pouvoir le remettre dans mon petit voilà mon petit bloc-notes cahier ici et de remettre bah, les mesures que j'ai de tissus dont j'ai eu besoin, ce qui va me servir pour des prochaines versions. Le tissu cette fois-ci que j'ai utilisé, c'est un tissu que j'avais depuis très longtemps en stock, peut-être 5-6 ans. Je l'avais acheté chez Atelier de la Création à Bordeaux. Et c'était en fait une viscose cousette. Voilà, qui est ici. D'une fluidité, j'allais dire presque incomparable. Elle s'appelle Cherries. Il y a 2-3 semaines, elle était encore en stock sur une fin de métrage sur Cousette, à un tarif un tout petit peu moindre qu'au départ. Et vraiment, c'est une viscose qui a un toucher presque microfibre. Et regardez, en fait, je l'ai lavé, je ne l'ai pas repassé, et c'est comme si, en fait, il n'y avait pas besoin. Donc, c'est quand même pas mal. Je redonnerai peut-être un petit coup quand même de défroisseur ici pour. Voilà, pour bien que ce soit bien net. Et donc, comme vous voyez, j'ai récidivé sur la pose ici d'un passepoil. On a ici des plis et non pas des fronces, ce qui évite un aspect un peu montgolfière. Enfin, voilà, des fronces. Là, ça n'apporte, en mon sens, pas du tout de sur épaisseur. Après, c'est vrai que c'est une blouse du coup qui, moi j'aime bien la porter sur un pantalon plutôt slim, puisqu'elle ne resserre pas du tout au niveau du ventre. Moi j'aime beaucoup. Ici, vous voyez que j'ai posé un tout petit biais. Alors j'ai un peu galéré parce que je l'avais coupé peut-être un petit peu trop fin, mais j'étais contenue par le mètre 10 de mon tissu que j'avais. J'avais plus grand chose à faire, mais je suis quand même assez fière. Voilà, de la pose ici de mon voilà de mon tout petit biais qui remplit bien son office de plaquer complètement ici l'encolure. Et moi, pour le poser dernièrement, le biais, j'utilise la méthode d'atelier Scamit qui est de poser le biais endroit sur endroit. On ferait une première couture à un endroit précis, on le replie, on redécoupe la moitié de son biais pour faire en sorte qu'il soit bien fin. Et donc après, on refait une autre piqûre. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Il faudra quand même que je leur donne son coup de fer, là, notamment au niveau du biais. Mais vraiment, une petite blouse super. Que je referai. Alors, on va laisser ça de côté et c'est fini pour cette petite collection qui était dédiée au modèle et au réinvestissement de ces magazines de la Maison Victor. Alors, on va faire une. Alors, c'est pas une pause. Mais on va changer de registre et pour rester dans des sortes de catégories, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait en jersey.
Alors en jersey, j'avais un besoin, je suis partie d'un besoin que j'avais au niveau de ma garde-robe. Là, j'ai quand même fait un tri encore une fois en ce changement d'armoire qui a été un peu plus tardif. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer si vous ne l'aviez pas vu. Il y a quelques vidéos, j'avais fait mon changement d'armoire de toutes mes affaires d'été vers mes affaires d'hiver. Donc si vous avez envie d'avoir des idées, vous pouvez vous retrouver cette vidéo. Je vous mettrai le numéro de la vidéo ici. Et c'est vrai qu'à l'époque, comme je l'avais fait quand on rentrait en fait en automne-hiver, c'était peut-être moins intéressant que peut-être de la regarder maintenant où on cherche des idées de réalisation couture pour des réalisations plus estivales. Je ferme la parenthèse. Donc le rangement de mon armoire m'a permis de voir que je manquais de pyjamas plutôt d'été. Et donc j'ai décidé d'utiliser à la fois des coupons qui me restaient de mon stock et des modèles que j'avais aussi déjà réalisés. Et d'ailleurs vous allez voir qu'il y en a encore un de la maison Victor. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Alors on parle tout d'abord d'un jersey que j'avais acheté chez Feu Papa Ours à Lorient. Ils avaient une petite zone où il y avait des restes de coupons à moins 30% souvent. Et j'avais un petit coupon de ce jersey Listellor, tout mignon vraiment, et qui était un coupon de 30 cm. Alors 30 cm. Et donc j'ai recherché ce que je pouvais faire avec 30 cm de jersey. Et j'ai décidé de Listellor, de réutiliser mon livre Cozy at Home en me demandant si finalement ce métrage ne pouvait pas être utilisé pour réaliser le petit short ici que j'ai déjà fait en short de nuit. Et malgré encore une fois le fait qu'ils indiquaient qu'il fallait 1,20 m de tissu, ce qui me semble fou pour une version short, moi je me suis dit on va voir ce que j'arrive à caser dedans. Voilà. Et donc j'ai réussi, mais évidemment en faisant un certain nombre d'ajustements. Alors je vous montre tout de suite ce que j'ai fait, vous allez comprendre. Voilà. Mon petit short dans 30 cm de tissu. Voilà, donc on voit qu'on n'a pas les revers qui étaient sur le modèle, et évidemment on n'a pas non plus la ceinture que j'ai substituée ici, hop, à un bord-côte Siwat 6 que j'avais et dont la couleur était vraiment très très, enfin comment dire, cohérente par rapport au modèle ici du petit short, enfin de ce jersey. Alors ce que j'ai fait en revanche, parce que si on fait pas la bande qui est proposée ici dans le modèle d'origine, eh bien on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement court. Donc en fait, quand j'ai pris mes pièces de mon short, encore une fois là c'est une taille 40 qui allait jusqu'au 42 au niveau de la taille, je suis allée au bout de mon coupon ici au niveau de la longueur, ce qui fait que j'ai fait un rajout de 5 cm. Et finalement, 5 cm, c'est parfait pour ce petit short. Vous voyez ici l'entrejambe, et il est vraiment parfait, même avec un ourlet que j'ai fait ici à la recouvreuse. Voilà, avec un ourlet qui doit bien faire un ourlet d'un bon centimètre. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? Bande de ceinture de bord-côte, j'ai fait sur 6 cm, donc replié 3 cm, puis hop, voilà, surjeté ici. Pas de bande supplémentaire sur le bas, et l'élastique, en fait, ça c'est pareil. Soit vous regardez ce qui est proposé dans le livre, ou soit vous le mettez directement sur vous, et puisque c'est un élastique qu'on rajoute a posteriori, si vous le faites à vos mesures. Et pour savoir quel est le devant du derrière, j'ai découpé une petite tasse dans ce jersey et je l'ai intégré derrière dans la couture de mon surjet pour ne pas avoir à tout le temps regarder à l'intérieur de l'entrejambe pour savoir quel est l'endroit de l'envers. Donc
mon bas de pyjama était prêt et il me manquait un haut de pyjama pour aller avec. Et j'ai réutilisé ce coton maille polo que j'avais utilisé pour faire ma chemise stretchy de moi je couds en version manche courte. Et il m'en restait donc un petit coupon. Et j'ai décidé pour faire mon haut de utiliser de la Maison Victor, l'emblématique t-shirt Odette que voici. Voilà, donc le t-shirt Odette, alors taille 40, mais qui est une version dont on sait qu'elle est très large, mais c'est très bien pour la nuit pour moi, donc je ne l'ai pas sous-taillé. Et ces bandes rapportées qu'on fait tenir ici par un point ici à l'intérieur des deux hauts et bas, voilà, des deux coutures, épaules et dessous de bras. Et ce que j'ai fait tout simplement, donc moi ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, je ne me suis pas embêtée, j'ai pas sorti ma recouvreuse. J'ai fait un point allongé droit, puisque comme après le surjet. Et puis j'ai, alors c'était ma petite lubie dans ce moment, j'ai fait une bande de propreté avec un petit billet qui me restait Atelier Brunette. Et je trouve que ça finit super bien. Et comme l'encolure, encore une fois, est assez large, ça ne gêne pas du tout pour passer la tête. Et donc, ben voilà, avec mon petit pyjama, donc qui se trouve être comme ça va très bien avec. Au niveau des couleurs, j'ai pas encore pris de petites photos, mais j'essaierai de faire en sorte d'en avoir une pour pouvoir vous l'insérer ici et vous montrer ce que ça donne. Et je pense qu'il faudrait que j'en refasse encore un. J'en ai encore un ou deux de l'an passé, des années passées, mais je pense que je vais regarder encore une fois pour. Ça me permet aussi de pouvoir virer les chutes que j'ai de jersey, qui sont donc des chutes de moins de 30 cm. C'est quand même assez intéressant. On continue dans le jersey. Cette fois-ci, on va passer du côté de réalisation couture pour mon mari. Le mois de juin, mai-juin, enfin non, le mois de juin était le mois de son anniversaire et également de la fête des pères, même si moi ça ne me concerne pas. Mais en tout cas, c'était son anniversaire. Et même si voilà, il y a des cadeaux qui étaient tout prêts, il aime bien. C'est simple, enfin il met toutes les réalisations couture que je lui fasse. Alors c'est les Bermudas, les t-shirts, maintenant les t-shirts manches longues en maille polo et les caleçons. Je les retrouve tout le temps dans le bac de machine à laver. Et il les met, c'était un tel plaisir de voir comment il aime les porter. C'est comme nous, quand on porte nos propres réalisations couture qu'on fait main, bah lui il est très fier de porter celles que, comme il dit, qui sont faites par Anne le chat. Et donc, j'ai eu envie de refaire un t-shirt. Alors, le t-shirt que je lui fais, voyez que j'ai tout à portée de main. Moi, je le prends ici dans le livre Casual Wear Homme. De Christelle Benetou. Donc, je vous en ai déjà parlé, un livre qui a une bonne dizaine d'années, mais qui est une pépite pour, puisqu'il est exclusivement fait sur de la couture homme, sur des pièces extrêmement basiques, que j'ai pas encore d'ailleurs fini d'utiliser, hein, puisqu'il y a d'autres modèles que j'ai pas encore investi. Et donc, moi, j'utilise. Voilà, ce modèle ici de t-shirt col V pour lui sur la plus grande taille, puisque là, en revanche, il ne va pas très très loin au niveau des tailles. Ça va jusqu'à une taille homme 46. Mais mon mari fait quand même une taille XL, entre XL et XXL. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur de ce que peut représenter cette version que j'ai dans la plus grande taille de ce livre. Voilà, donc. Je vous montre. Alors, j'ai utilisé un tissu qui est un jersey de coton que j'avais utilisé, que j'avais acheté chez Audrey Mercerie. Il y a déjà une bonne année, je pense, hein, ou au moins 6 mois. Donc, qui est une petite version gris chiné avec des carpes koi. Moi, j'adore.
Je trouve ça très sympa. Et voilà la réalisation que ça lui fait. Il est habitué à ce que je lui fasse des... Ses collègues aussi. Ce qu'il ait toujours des t-shirts un petit peu improbables au niveau des motifs. Mais par contre, je fais toujours attention à avoir des jerseys de bonne qualité. Avec en majorité du jersey coton. Celui-là, il est très intéressant. Alors, il ne doit pas être sur du 200 grammes par mètre carré comme les poppies. C'est peut-être un poppy d'ailleurs, mais il est un petit peu plus fin, mais il est bien. Il est honnêtement, il est très bien. Et il sera pas trop chaud aussi si un jour il daigne faire des températures plus chaudes que celles qu'on a eues jusqu'à présent. Donc vous voyez, un devant, un dos, des manches et toujours, lui aussi, il aime bien ses encolures en fait en V. Que je ne peine plus trop à réaliser désormais. Et voilà pour lui, et évidemment ça s'est accompagné, alors je peux pas vous les montrer, en plus ils ont été portés, reportés déjà depuis, mais je vous montrerai ici les deux, un ou deux caleçons Warren d'Eclipse Lingerie Studio que j'ai pu lui réaliser sur les dernières semaines, et donc lui par contre je lui mets une taille M par rapport à son tour de... faut suivre juste dans le tableau des tailles, et lui c'est la taille M, et il est génial, enfin il me dit même maintenant qu'il les porte parce qu'ils sont tellement plus agréables même que ceux qu'il a du commerce, que il n'y a pas photo, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de couture, et le montage burrito de la pièce devant qui est prévue est super. Et moi, en fait, je fais aussi un montage burrito pour la pièce du gousset que je double, donc en deux au lieu de faire une seule dans... Voilà. Et puis même maintenant, le montage de la ceinture, tout élastique, je sais comment faire. Donc c'est assez rapide pour moi à réaliser. Ça passe également dans des tissus, alors de mémoire il y en a un, donc le noir avec les petites tours Eiffel, c'était une commande que j'avais passée l'année dernière, peut-être déjà chez Pretty Mercery, il me semble que c'était un déstockage de jersey qu'ils ont, du slip français, coupon de 50 cm de l'aise, sur la laise. On va passer aux deux dernières pièces que j'avais envie de vous montrer ici. J'en ai deux autres réalisées, mais qui feront l'objet d'un podcast ultérieur. J'ai l'air de pas mal tenir mes délais. Comme je vous l'ai dit, je vous parlerai pas très court. Cette fois-ci, je dis pas que j'en ferai pas un épisode dédié, parce que j'ai quand même pas plusieurs pièces à vous montrer. Alors, ce dont je vais vous parler maintenant, donc c'est cette fois-ci une thématique, puisqu'il faut qu'il y ait des thématiques, n'est-ce pas, chez moi. C'est une blague, hein, mais là, ça, je trouve que c'est pas mal. Je suis assez contente voilà, de trouver mes thématiques. C'est une thématique Atelier Brunette. Alors, Atelier Brunette, là, il s'agit tout d'abord d'un coupon en fait que j'avais acheté il y a peut-être un, deux ans. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ce coupon, je vous le montre, vous allez voir tout de suite, c'est un coupon qu'on a vu passer il y a déjà 2-3 ans, qui existait alors dans ces couleurs. Alors cette couleur, c'est la couleur cobalt, le bleu de chez Atelier Brunette, et on a, je sais plus, c'est un motif, voilà, que je vous montre tout de suite, avec des sortes de dessins de palmes, mais abstraits, et qui est vraiment très joli. Et donc comme vous le voyez ici, j'en ai fait une blouse du livre Dresde de Dirindo. Donc petite blouse. Alors je vais encore une fois sortir un livre. C'est pas mal, hein, je trouve qu'en termes de livre et de réinvestissement de magazine, là je suis vraiment au top. Sans avoir forcément fait exprès, mais ouais, très bien. Donc là c'est la blouse, voilà, de Dirindo, qui est déclinable également en petite robe, et d'ailleurs il faudra que je me penche dessus pour la réaliser, un de ces quatre. Donc avec un bas liquette, mais liquette arrondi en tout cas devant et derrière, qui est censé se faire en taille 40 que j'ai choisi dans un métrage de 1m40. Moi j'avais un coupon d'1m, 1m10, pas plus.
c'est passé. Et on a tout simplement un devant, un dos, des manches, et on a un jeu de parementure assez épaisse et bien réalisé à faire sur le devant et l'arrière de l'encolure, et également qui est prévu sur le bas. C'est ce qui peut éventuellement manger un petit peu de tissu supplémentaire, donc vous pouvez aussi les réaliser dans un autre tissu. Évidemment, j'ai un petit fil, sinon ce ne serait pas rigolo. Et donc on peut aussi les faire un petit peu différemment avec, si on veut être à l'économie de tissu. Alors, donc je reviens sur... Donc c'est le livre que vous pouvez également avoir en e-book, je suppose dorénavant, sur le site de Closet Core Pattern. Et donc c'est une blouse qui va de la taille 34 à la taille 52 et que j'ai réalisée il n'y a pas si longtemps. Ça, je vous avais déjà montré en fait une version dans une viscose atelier brunette et qui me plaisait beaucoup. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de la refaire. Donc on a quand même une forme liquette. Vous voyez qu'elle est plus longue derrière que devant, mais qu'on a un système arrondi ici. Et vous voyez un peu plus ici, voilà, la parementure qui est là, tout du long, qu'on nous redemande après de surpiquer exactement à, je crois, 2 cm. Donc, j'ai un fil, évidemment, là, qui est coordonné, que vous voyez peu, mais qui permet finalement de maintenir pile exactement la parementure pour qu'elle ne ressorte pas. Et c'est le même... C'est vraiment pas beaucoup au niveau luminosité. On verra ce que ça donne au montage. Et on a exactement pareil en fait sur le bas. Vous voyez, on a cette parementure ici qui finit ainsi, sur lesquelles on a derrière voilà à surpiquer pour la maintenir et faire en fait cette jolie, très jolie finition. Mais en sachant que si ça ne vous intéresse pas d'avoir cette forme sur le bas et que vous êtes plutôt à mettre votre blouse dans un pantalon, vous pouvez très bien la rallonger. Faut faire attention à ne pas la prendre ici à ce niveau-là par contre, parce que sinon vous allez avoir quelque chose qui est quand même assez court. Hein. Mais du coup, vous pouvez peut-être prendre la longueur, soit la plus longue ou soit intermédiaire, et cette fois-ci la couper tout droite si vous désirez. Rien de plus, je suis pas sur la bonne, voilà, c'est ça, rien de plus à vous dire. J'avais bien un coupon d'un mètre, et en plus il manquait une toute petite partie puisque je l'ai utilisé pour faire la parementure d'une autre pièce que je vais vous montrer. Ma blouse, du coup, pour la passer dans ce coupon d'un mètre, je l'ai fait avec 5 cm de moins. Ceci dit, il m'aurait fallu 1 ou 2 cm de plus, puisque effectivement la partie qui est ici, si je lève les bras, peut aller légèrement au-dessus de la ceinture d'un pantalon. Mais bon, vu le tissu qui est, on va dire, plutôt estival pour moi, ça va pas me gêner de la porter, donc pas de problème là-dessus. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette petite blouse Dresde dans un tissu atelier brunette. Et je vous disais que on avait une thématique atelier brunette, et je vais finir en vous montrant la pièce un petit peu, on va dire, la masterpiece de ce podcast, en tout cas pour moi. C'est que j'avais également de chez Atelier Brunette cette gabardine. Alors c'est la gabardine lourde, hein, la première qu'ils ont fait. Et que je l'avais donc dans cette couleur cobalt qui est juste magnifique. Donc là, évidemment, elle a été lavée, mais elle est magnifique. Enfin, elle est une couleur, une douceur. Enfin voilà, elle est bien épaisse. Donc les surépaisseurs, c'est pas toujours hyper facile à passer. Mais j'ai décidé pour la première fois, je crois, de me faire une veste. Et je suis partie sur la veste de Atelier Brunette. Je reviens. Alors voilà, donc la veste de Atelier Brunette. Donc ici, j'aime bien leur petit coffret en papier, genre papier craft. Je vous montre ici, donc il y a une version courte et une version longue. Ça va de la taille 34 à 46,
acheter un peu limitée, mais c'est une veste vraiment oversize. Donc on peut estimer que si en tout cas vous voulez le même rendu que la mienne, que ça peut aller jusqu'à une taille supérieure, parce que c'est vraiment une veste qui est plutôt oversize. Alors moi, j'avais pas forcément une bonne... Enfin, les patrons Atelier Brunette ne m'avaient pas forcément tapé dans l'œil. Parce qu'en fait, je trouve que c'est souvent fait des formes oversize et pas toujours facile, en tout cas à porter pour moi, à mon style, etc. Il se trouve que cette fois-ci, je m'étais rendue sur Paris dans la boutique Atelier Brunette, parce que c'est juste un régal pour les yeux. Et les vendeuses, elles sont tellement adorables, franchement, enfin, elles connaissent vraiment leur job et elles sont vraiment super gentilles. De discuter avec elles, c'est un régal. En plus de la boutique, et dans la boutique Rue Keller, je crois, ils ont tout un coin où en fait ils cousent déjà les prototypes de tous ces patrons-là dans différents tissus Atelier Brunette, et on peut les essayer. Et donc cette petite veste, donc moi ce qui m'intéressait c'était plutôt de me faire une petite veste courte, ils l'avaient, mais ils l'avaient en taille 38, parce qu'ils n'ont pas non plus toutes les tailles qui sont cousues. Et en fait, quand je l'ai essayé, la taille 38 m'allait parfaitement. Je sais que j'avais une petite photo que j'avais prise parce que je l'avais envoyée à ma copine Servane pour lui demander son avis. Donc si je retrouve la photo, je vous la mettrai là, dans la cabine d'Atelier Brunette. Et donc ça m'a dit tout de suite qu'il fallait que je fasse la taille 38 pour cette veste, alors que moi je rappelle, je fais plutôt un 40 ici au niveau de la carrure poitrine, et en revanche je suis sur du 42 au niveau de la taille, et je redisons sur le 40 au niveau des hanches. Et donc là, aucun problème, même pour la fermer, alors sachant qu'en plus c'est pas une veste moi que je dessine à être fermée, mais je pouvais la fermer sans aucun problème avec de l'aisance sur une taille 38. Donc je suis ressortie de la boutique avec de la gabardine, avec le patron, et voilà ce que cela donne pour ma petite veste. Je l'adore. Ça fait partie de ces pièces où je pense que vous allez me comprendre, mais il y a certaines pièces qui vous rendent particulièrement fière de ce que vous avez réalisé, parce qu'elles sont sur un niveau peut-être parfois un peu plus élevé que ce que vous avez l'habitude de faire, ou alors parce que ça vous sort de votre zone de confort, parce que moi en l'occurrence je couds peu de vestes, et que là on s'est dit, oh là. Et puis il n'y a pas photo quoi, on n'aurait jamais ça dans le commerce, elle est vraiment faite pour vous, et c'est la qualité du tissu, et la qualité de la réalisation couture. Alors je vous la montre un peu plus en détail. Donc on a ici un col simple, hein, voilà, qui se rabat ici, donc un joli col bien dessiné. On a des manches qui sont faites en une seule partie, mais qui ont ce petit motif ici, ce petit détail d'avoir cette fente sur le bout de la manche, hein, voilà, qui est une manche qui est rapportée. Voilà, donc on a ce petit détail là, et c'est ce détail qu'on retrouve également sur le bas. Voilà, sur le bas de la de la veste, donc c'est là où il faut être bien précautionneux, voilà, pour éviter d'avoir, il faut bien écraser ses plis, etc. Et puis pour bien cranter ici, pas trop, mais juste ce qu'il faut pour que ça tombe bien. Et puis on a ces grandes poches qui sont marrantes, alors qui servent absolument à rien, parce que si on les met... voilà, c'est on les met, je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est pas, moi c'est esthétique, je trouve qu'elles sont très sympas. Et je vous montre également l'intérieur. Donc on a une large parementure qui est montée, je crois en burrito, non pas en burrito, si en burrito ou je sais plus, enfin en tout cas elle est montée, c'est nickel. On a des jeux de surpiqûre. Hein. Moi j'ai fait une double surpiqûre ici pour faire des codes, voilà, de veste sur cette partie ici. Ici j'ai fait une simple surpiqûre avec pile le fil bleu cobalt, comment dire, de Gutermann, mais qui était vendu donc chez Atelier Brunette aussi. Et voilà, on a tout le montage ici,
qui est propre, qui revient ici. Là, c'est propre. Voilà, tout est pas mal, quoi. Voilà. Après, les coutures, elles sont écartées. Et ici, c'est propre aussi. Regardez, je vous montre l'angle aussi, qui est nickel. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les explications sont moyens. Hein. C'est aussi, là, par contre, une réputation quand même un peu récurrente, en fait, souvent, enfin, des patrons ateliers brunettes. C'est... Je suis en train de voir qu'il y a un QR code ici avec des explications. Scannez-moi pour plus de détails. Mais je pense pas qu'il n'y a pas de pas à pas. Il n'y a pas de pas à pas, il n'y a pas de vidéo. Et donc, je trouve que les finitions, enfin, le détail des finitions est bien. Mais par contre, il y a certains points qui ne sont pas des plus faciles à comprendre. Et alors, surtout, il y a un point en fait qui était un peu compliqué parce qu'en fait, il manquait un élément dans le livret, puisque ça m'a été confirmé par la vendeuse dans la boutique, c'est quand on vient intégrer en fait ici le col et qu'on vient ici adjoindre ici la patte de boutonnage sur le haut, bah forcément il y a un moment où on ne sait pas quoi faire en fait du tissu, parce que ici il remonte à l'intérieur ici, alors qu'ici il est vers le bas, et en fait on nous dit pas qu'il faut cranter à un endroit très précis. Donc là, je vous avoue que j'ai un peu pesté parce que j'ai lu 30 fois le livret et je trouvais pas la solution, et j'ai fini par faire par cranter intuitivement et par faire quelques petits points en fait ici à la main, mais qui sont complètement invisibles, et donc ça me donne quelque chose de très très propre. L'autre chose, mais ça, ça n'a rien à voir avec le patron, c'est que c'est compliqué pour faire des boutonnières sur cette gabardine qui est très épaisse. Et donc il y a celles qui sont faciles à faire là quand il n'y a pas de décrochage au niveau du tissu. Mais alors j'ai eu tous les mal du monde à faire celle-ci parce que en fait on a le pied qui se prend quand il revient en arrière, en fait, bah, il patine là, et c'est encore pire pour celle-là, où j'ai toutes ces super épaisseurs. Le truc à faire, c'est, si vous allez sur Paris, enfin c'est d'aller chez l'atelier Mireille, qui est un atelier qui fait spécialement, en fait, qui est ouvert, hein, c'est une boutique, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, le monsieur est charmant, et c'est d'y aller pour faire vos boutonnières. Il a tout ce qu'il faut pour vous faire ça proprement, et c'est pas cher du tout. Bah évidemment, il faut aller sur Paris. Moi, je vais quand même regarder sur Tours par hasard si jamais il y a un atelier qui serait spécialisé là-dedans pour faire tout ce qui est boutonnière, veste, manteau, pantalon. Vous savez, toujours aussi la dernière boutonnière à mettre sur le pantalon. Là, il y a toujours beaucoup d'épaisseur autour. C'est un petit peu compliqué. Alors, j'ai fini par y arriver, mais en le faisant en point bourdon en plusieurs fois. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai une machine d'extra compétition, puisque j'ai une nouvelle machine que m'a offert mon mari, qui est adorable, comme d'habitude, mais voilà, donc voilà, il m'a upgradé mon niveau de machine à coudre, qui était déjà une Bernina, une belle Bernina, et donc je suis montée sur la gamme du dessus. Même avec ça, les boutonnières, c'est trop compliqué. Sur cette gabardine atelier brunette qui est très épaisse et sur lesquelles on a, voilà, dès qu'on a une épaisseur, c'est compliqué. Enfin, les boutons, c'est des boutons de mon stock. En fait, j'avais acheté un gros lot de boutons chez Nose à un moment et il se trouvait que j'avais ceux-là et je trouvais qu'ils étaient, en fait, je suis sûre qu'ils sont super bien. Ils sortent bien. Et enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai utilisé quand même un métrage assez important. Vous voyez, c'est un métrage que j'ai pas utilisé pour ma blouse, mais ce coupon de 1 mètre de viscose atelier brunette m'a permis de faire aussi toute cette parementure ici. Alors, a posteriori, j'ai eu un doute parce que, vous voyez, quand je mets quand on met la veste, eh ben, on voit quand même cette partie, et je me suis dit, mince, j'aurais dû prendre un tissu un peu plus ton sur ton, ou plus foncé, parce que quand on voit l'intérieur de la veste comme ça, je me suis dit, on la voit. Mais d'un autre côté, déjà, moi,
c'est une petite veste que je pense que je vais peut-être plus mettre en mi-saison et que ça me dérange pas. Et enfin, finalement, je me suis dit que c'était comme le enfin, vu que c'est exactement le même bleu atelier brunette, au contraire, hein, je suis très contente, je trouve que ça lui donne aussi ces petits intérieurs chics, on est pas les seuls à avoir, mais avec des tissus qu'on sait être des tissus précieux, voilà. Donc je vous mettrai d'autres photos, mais là pour vous montrer comment elle tombe, elle est vraiment parfaite, j'ai rien changé, hein, au niveau des dimensions, des manches, de la taille. Même comme ça, hein, avec ma petite robe, tenez, hop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va super bien. Voilà, et pour montrer que les poches, c'est des poches... voilà, c'est des poches avec des petits bras de poule, là. Bon, voilà, c'est vraiment pour le fun, mais elle est vraiment super. Et j'exclus pas d'en refaire une. Parce que franchement, déjà, en plus, ça ne mange pas beaucoup de tissu. Hein. Alors... Je suis un peu, comment dire, je suis un peu spécialiste du Tetris, hein, mais là, ma veste, j'avais 1m10 de gabardine. Donc, arriver à placer une veste comme ça dans 1m10 de gabardine, c'est quand même pas mal. Et effectivement, zéro chute. Hein. Je suis allée au bout. Bah, d'ailleurs, j'ai pris une photo, je vous l'avais mise sur Instagram aussi en story. Je vous montre toutes mes pièces qui étaient mises. Je crois qu'il n'y a qu'une pièce que j'ai dû recouper en deux. Et c'est évidemment ici. Voilà. Cette pièce-là, là, qui est le bas de ma veste, est censée être en une pièce unique. Et j'ai dû la faire en deux pièces. Alors voilà, vous comprenez que sur l'intérieur, on s'en fiche complètement. Et tout le reste est nickel. J'ai même réussi à faire, voilà, mes intérieurs de... Ce sont des bandes rapportées à l'intérieur, là, pour faire la boutonnière. Enfin, 1m10. 1m10, même si c'est une gabardine à 22-24 € le mètre. Bah, j'ai une petite veste comme ça pour... ça, plus là, il y a le patron, mais j'ai une veste à moins de 30 € sans compter le patron, elle est juste superbe, et je l'ai portée hier hein, pour aller au boulot, et j'ai eu plein de compliments, donc on est super fiers hein, quand c'est comme ça. Eh bien écoutez, je trouve que c'est pas mal, hein. Je vous ai quand même montré pas mal de pièces, j'ai sûrement été un peu plus rapide que d'habitude, mais comme c'était pour certains des modèles que j'avais déjà réalisés, bon, vous pouvez aussi, moi je le ferai pas, mais toutes les pièces là dont je vous ai parlé finalement, ou les anciennes pièces, vous pouvez, si vous voulez, scroller sur mon Instagram et vous allez retrouver... Même si effectivement ça date de loin, et en général sur mon fil Instagram je mets toutes les indications que j'ai réalisées sur mes patrons, les modifications, etc. Et dernièrement ce que je fais en général c'est plutôt faire les copies, voilà, de mes pages pour indiquer les modifications, tout ce que j'ai fait par rapport à mes petites par rapport à mes petites cousettes. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, comme vous voulez. Vous remercier si vous êtes arrivé jusque-là, à me dire comme vous le faites souvent et comme j'aime bien savoir quelle est éventuellement la pièce que vous avez préférée de tout ce que je vous ai montré ici. Et puis, bah écoutez, encore une fois, merci d'être là. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao !